Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous donner mon avis sur un produit Action, enfin sur plusieurs produits même, notamment cette machine, voilà, pour appliquer le foil. Alors honnêtement, c'est pas moi qui l'ai acheté, puisque moi j'avais regardé des vidéos qui la présentaient, et personnellement, je la voulais pas spécialement. Puisque le foil, ça s'applique jamais parfaitement, il y a toujours des petits soucis, et puis je ne pensais pas m'en servir très souvent. Donc j'avais décidé de ne pas l'acheter, mais mon copain voulait me faire plaisir, me faire un petit cadeau, et donc il me l'a prise. Donc forcément, je m'en suis servie, puisqu'il me l'a offerte, et je suis pas satisfaite du résultat. Donc en fait, je ne vais pas vous faire un tuto sur comment marche cette machine, puisque il y en a déjà des tas sur YouTube et que ça marche exactement comme une plastifieuse. Donc c'est pas un tuto, c'est vraiment juste vous donner mon avis sur le produit. Donc je vais vous montrer un petit peu les essais que j'ai faits. Donc avec les feuilles qu'ils ont fournies avec. Ça marche relativement bien, même si on peut voir que ça ne se dépose pas absolument partout. Parce que normalement, c'est censé se déposer sur tout le noir. Donc bon, on voit qu'il reste un petit peu de noir. Donc ça, c'est avec les feuilles qui sont fournies avec. Donc voilà. Alors, la mieux réussie, c'est celle-là. Puisque là, celle-ci est vraiment parfaite. J'en ai fait une autre, celle-ci. Donc là, on peut voir que c'est pareil, il y a eu des petits ratés à ce niveau-là. Et dans le milieu également. Donc ça, c'est avec les feuilles de foil qui sont fournies avec la machine. Ensuite, j'avais déjà acheté il y a un certain temps ce foil, donc chez Action. Donc, qui était vendu comme ceci. Donc j'avais trouvé plusieurs couleurs, donc l'or, l'argenté, le rose gold et le rouge. Alors les couleurs sont très jolies, je dis pas. Mais alors à l'application, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà ce que ça m'a fait sur les bords. Ça s'est déposé absolument partout et pas que sur le noir. Comme ça devait se déposer, puisque je vais vous montrer le modèle. Donc voilà, les petits cœurs étaient comme ceci. Donc ça ne devait se déposer que sur le noir. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais m'en servir, il n'y a pas de souci, en mix média ou autre. Ça, c'est pas moche, mais c'est pas du tout le rendu souhaité. Et donc avec le rouge également. Donc là, voilà, on peut voir que ça s'est pas du tout déposé partout sur le noir et en plus, il y en a partout autour. Donc ça, c'est avec les rouleaux comme ceci. Et donc j'ai testé également le rose gold en rouleau et donc c'est pareil sur les bords, ça s'est déposé partout. Et dans le milieu, bon, ça a bavé un petit peu, c'est pas. Après, je vais m'en servir, hein, c'est pas le souci. Donc voilà. Je vais m'en servir, mais voilà. Le résultat n'est pas du tout parfait, donc honnêtement, moi, j'aurais pas acheté la machine. Maintenant que je l'ai, je vais m'en servir. Après, voilà, avec ces rouleaux-là, donc ceci. Je pense que je m'en servirais pour avoir des rendus un peu comme ça sur du papier coloré. Si vous voulez pas un rendu qui est net partout, si vous voulez juste des petites touches de feuille aléatoires, c'est très bien, pourquoi pas. Mais voilà. Donc je voulais juste vous donner mon avis sur ce produit et je vous dis bonne soirée et à bientôt.